modeste machine devrait réussir à faire tourner ça. Voilà, je vous avais promis que je ferais un petit live dans le week-end sur Horizon Zero Dawn. Et ben c'est maintenant. Hop. Donc voilà, j'ai pu installer bon, le jeu déjà, avec ses 72 Go, un beau pépère. J'ai surtout pu installer ma carte, mon boîtier d'acquisition AverMedia. C'est le Live Game Ultra qui me permet d'avoir la résolution en 1440p sur mon écran pendant qu'il fait une capture pour OBS à côté. Puisque je continue d'utiliser le Mac pour faire la diffusion et j'ai une machine sous Windows qui tourne, c'est ma grosse console de jeu. Hop. Donc je vous propose juste de faire, on verra, ce sera peut-être 20 minutes, une demi-heure, je sais pas trop. On verra ce qui vous intéresse. Et puis c'est histoire de découvrir tous ensemble ce jeu. Je vais essayer d'avoir le chat sous les yeux en même temps. Salut Goose, salut Kios. J'avais promis que je le ferais. Toujours un peu la tête dans le cul, mais on va faire avec. Donc voilà, j'ai lancé au début un espèce de benchmark qui est intégré pour essayer de faire les réglages. Donc voilà, mon petit i5 et ma petite GTX 1060, bah ça fera le boulot. Dans ce jeu-là, ça se passera bien. Hop. Donc aucune idée du jeu, hein. On va se mettre... Allez, quoi ? Facile, histoire... Oui, ça c'est juste pour suivre, hein, d'accord. On va se mettre au milieu en normal, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas trop l'équilibre de son quand je parle et le jeu. Je pense pas que le jeu soit trop fort, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Salut Pichi. Et donc évidemment, ce qui va se passer, c'est que il y a pas mal de Titi qui joue, bien sûr que ça arrive. Et pas toujours à mon jeu de camion comme dirait l'autre. Un peu ça, je vais être un peu fort pour que je sais pas. Bon, en tout cas, c'est un peu. C'est remonté un peu costaud. Hein. Ah, c'est chouette quand même. Hein. Ouais, je sais pas trop par rapport à ma voix, j'ai l'impression que c'est largement aussi fort, si ce n'est plus. Oh, ça en fait des baies, dis donc. C'est un peu fort comme volume, peut-être. Je vais baisser un peu. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? Ouais, c'est fort, hein, c'est ce qui me semblait. Là. J'ai baissé un peu, vous me direz si ça suffit. Parce que quand même pas que ça vous arrache les oreilles. Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Oh, ne t'approche pas. D'accord, on est sympathique avec des parias à côté des autres. N'hésitez pas à dire si je joue toujours trop fort, hein, Kios, notamment. Le benchmark et le reste, le petit PC en dessous, il a les ventilos qui tournent. J'espère que vous les entendez pas trop. Rost ! Je suis en bas ! Rost ! Rost ! Il ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Alors, on a un petit peu des choses à faire. J'imagine que le début est très guidé. Paye tes chauves-souris. Ça a l'air étroit, mais je peux passer. Ce
qu'il y a des trucs à voir dans les recoins ou pas du tout. Non, peut-être trop tôt pour explorer un peu tout. C'est vraiment le tuto pour découvrir. Hop. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal, l'une des zones interdites. Ah, c'est pas mal. J'ai quand même le ventilo du PC qui tourne, il faudra que je regarde. En même temps, je ne peux pas pencher sur ma brave petite config, elle est peut-être un petit peu entartrée, comme dirait l'autre. Nettoyer un peu. Voilà. Les Noctua, ça va, mais la carte graphique, elle mouline plein régime. Bon, l'idée de ce petit stream aujourd'hui, c'est donc tous les petits détails. Est-ce que le son vous paraît correct? Est-ce que les ventilos, ça vous gêne pas trop dans le suivi? Ah, je vais commencer par faire le touriste. Hein. Pas grimper là. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses par là, il me semble que j'ai fait le tour. Ça, j'aurais pu, je sais pas, j'aurais imaginé que ça ferait quelque chose, mais je ne vois rien. Ah si, un passage là. Rust dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit, mais il faut que je trouve une sortie. Ouais, il y a le sacré décor. Ah, la touche shift pour sprinter. Sonore est pas mal avec les petits plic-plocs là de la flotte qui tombe. Je vois quelque chose là-bas. Elle a bien de la chance si elle voit quelque c'est chose. C'est quoi de... ah, oui. Un cadavre. Il y a quelque chose qui brille par là. Bon, c'est très guidé le début, hein. J'imagine que c'est ce qui sert d'intro. Ouais, alors, il va falloir que je trouve un système, là, même pour moi, là, même avec le casque, les ventilos. Ouais. C'est pas les ventilos du PC, c'est vraiment la carte graphique qui mouline. Qu'a-t-elle trouvé? Des lumières partout. Un appareil aussi petit. Alors, tranquille, hein. Même si on n'est pas lundi, je fais comme à la maison, hein. J'ai un peu la crève, donc je me suis fait une petite infusion à côté, comme dirait l'autre. Pomme cannelle, si vous voulez savoir. On arrive. Trouver un moyen de monter la surface. Donc, si... Ah, c'est le truc qui va permettre de faire certaines actions spéciales. Le focus. Plus lentement, c'est ça.
faire. Une porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Ouais, ça ralentit le mouvement par contre. Ok. Donc on repère les êtres vivants. Est-ce qu'on a les équipements avec? Je sais pas trop où il veut m'emmener en fait. Peut-être nulle part. Ah, il est beau, hein. Je l'ai trouvé sur Instant Gaming pour moins de 18€. Franchement, c'est toujours pareil. Hein. Il y a la suite qui est sortie récemment. On a Elden Ring qui est sorti, que tout le monde stream dans tous les sens. Et visiblement, ça a l'air génial. Mais moi, je profite des jeux plus tard, on va dire. Attends. Encore des lumières. Une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte. Ah. Avec le truc rouge en bas là. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Ah, c'est ça, ok. Ça a changé de couleur. La porte, un truc ouais. En amont. Ah mais je peux comprendre que le monde dans lequel on vit soit fait de consoles inachetables parce qu'indisponibles à des prix indécents et avec des jeux à 70 ou 80 balles, mais c'est pas ma, la porte a changé, c'est pas ma vision couleur du jeu. Je peux mettre plus que ça dans un jeu comme celui-là, y a pas de souci. Hein. C'est beau, hein. C'est très très beau. Ça a marché. Pour l'instant, c'est juste une histoire, hein. Je fais pas grand-chose. Tu me diras, faut trouver un moyen de remonter. Moi, je suis en train de descendre, c'est peut-être pas une bonne idée. Utiliser beaucoup là, ce truc là, ce focus. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose là encore. Décidément. Il a un appareil. Tu crois que c'est ce que je voulais? Je ne peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou! Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous. Ah bah, il aura bien, lui. Ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Ah bah là on est quand même pas dans du rétro, Horizon. Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Zero Dawn, c'est pas non plus. Derrière toi. Coucou. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas. La modélisation a quand même un drôle de regard sur le personnage. Bien sûr que non. Joyeux anniversaire. Ses yeux pas l'air d'être bien, Isaac. Cadré. Le grand garçon que son papa aime à la folie. J'imagine qu'à chaque fois, il faut aller là où il est marqué les petits pas. Est-ce qu'elle passe, la demoiselle là, la croupie? Se faufiler par l'ouverture. Super! Ah mais la PS3 c'est rétro, pas de problème hein. Je pense que c'est un personnage féminin, V-Box, salut. Si je ne dis pas de bêtises. Là c'est vraiment l'intro où elle est gamine, je crois que dans le jeu après on joue une fois qu'elle est jeune adulte ou un truc comme ça. Ouais, donc il y a encore quelque chose là. Est-ce qu'il faut y passer par la droite? Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé?
truc sur chaque calotte non plus. Ah si. Des messages à chaque fois. J'ai peut-être pas besoin d'autre chose en fait. Quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vu là dans ta robe vintage. Le sourire sur ton visage. Ça va l'équilibre du son en fait là. J'ai réussi à redescendre assez. Ah, le gars en bas à droite a une tête chelou. Hein. Je confirme. Tête dans le cul chelou. J'aurais voulu faire comme je vous avais dit, hein, de faire un let's play à partir du. Il m'a retrouvé. De hier soir. Rost m'a retrouvé. C'est pas possible. Ah. Je suis là. J'arrive. Louis, cinématique pour introduire l'histoire. Allez, viens, attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. Enfin, une jeune paria élevée par un vieux paria. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Rien du tout. Caché. Où l'as-tu trouvé? En bas. Non. Ça doit être interdit. Les vestiges. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non. Ah, j'aime ça. Têtu, parfait. Oui, c'est vrai qu'on. Je pense que c'est la voix française de Morgan Freeman. Ouais, ouais. Ouais, par contre, là, ouais. Il n'y a pas d'animation de respiration alors qu'on entend soupirer. Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Ah. Allez, suis-moi. L'action. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Apprenons à chasser. Je pense qu'il y aura des séances que je vous ferai plus tard, où il y aura peut-être un peu plus de jeu lui-même. Le début, c'est vraiment de l'intro avec plein de cinématiques. Tous ces symboles. Certes joli, mais pour vous, c'est peut-être moins intéressant. Qu'est-ce qu'il signifie? Tiens, prends ton arc. Mon arc? Et arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Voilà. Quand c'est pas les ventilos, vous devez entendre ronfler la mascotte derrière. Un jazz. Ça ronfle tout ce que ça peut. Pire que 100 mètres. Ouais, chouette paysage. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plume-tille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Bien. Maintenant, mange-les. Ah, c'est pas bon, ça soigne, mais c'est pas bon. Mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la toute mer. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Oh putain, elle ronfle comme peu. God of War version fleur bleue, bah si tu veux. Ouais. J'ai pas joué à God of War. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Toutes les machines sont dangereuses. Oh, bah tiens. Cool. Un beau frise, mais même un beau plantage, dites. Eh bah, pas mal. On va le relancer. Unable to sync, play anyway. Je sens que ça va me plaire. Peut-on zapper les séquences?
Ouais, c'est peut-être le PC qui a trop chauffé, mais c'est chelou. Ouais, je soupçonne un effet Bebox, ouais. Bon, je peux continuer, donc il a pas dû tout perdre. Mais où est-ce qu'il m'a récupéré? Ouais, c'est chelou ça que ça avait planté l'univers N spécial. Voilà, ce sera la prochaine étape, faire un bon dépoussiérage du PC. Je vais vérifier en même temps. C'est vrai qu'elles sont amères. Elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales. C'est pas bien loin, mais un peu en dessous. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Toute-Mer. On va le suivre alors. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Donc on a encore pas trop bien compris pourquoi ils sont par ailleurs. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. Alors c'est là que vous avez planté tout à l'heure, c'était juste un hasard. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Ah, il y a un système pour... Ah, là, bien ça. Ne te montre pas. Bébé. Non, alors. Une espèce d'icône en forme d'œil. Il doit y avoir un système comme tous les jeux un tu peu dois de basé comme sorte ça sur qu'il ne te voit pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Oh putain, deuxième freeze. Ouais, ça va planter encore, je pense. Hein. Il y a un truc qui lui plaît pas. J'ai fait tourner le benchmark, donc normalement il était réglé sur quelque chose de raisonnable pour lui. Ouais, ça va être sympa. Ouais, bah, je sais pas ce qu'il fout, mais pas en bon état là. Cool. Il faut lui laisser en plus le temps de planter. Génial. Ah bah alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires, man? J'ai vraiment pas poussé des réglages de rien, hein, donc c'est quand même... J'allais dire tout à l'heure que c'était bien aussi de faire les jeux quelques temps plus tard, quelques années plus tard, les bugs étant fixés, mais... Il y a un truc qui lui plaît pas dans ma config, je ne sais pas. Et puis là, ça lui plaît pas, genre il reprend pas la main, quoi. Cool. Formidable. Est-ce qu'il réagit au fait que je lui demande d'arrêter? Putain, avec des labels pas traduits au milieu, c'est classe. Hop, overlay, unsafe data warning. Et alors? Y a un boulot pas fini, les gars, là. Ouais, mais ça va pas planter toutes les 3 secondes, là. Je vais essayer d'aller voir s'il y a un problème dans la résolution que j'utilise ou les... C'est crado ça. On va pas le faire les gars. Alors oui, je suis gourmand en 2560, mais c'était le but, donc j'ai toujours joué sur cette machine en 2560. Là, il n'y a rien d'extra. C'est tout en moyen. Ouais, j'ai 6 gigas de RAM. Je vais refaire une détection auto alors. J'avais fait le benchmark tout à l'heure, mais... Je sais pas ce qu'ils appellent la détection auto. Ouais, ça fait rien du tout. Ouais. Super, 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 super. Bon, je retente encore un coup, mais si ça refreeze, on va pas s'acharner pour aujourd'hui. Hein. Le bonhomme est pas en super forme, si la machine non plus. C'est quand même chelou.
juste quand ça commence à être intéressant, avoir un petit peu les phases Alors, d'action. Voilà une machine. Pour commencer au début. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Là, ne te montre pas. Les bébés. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ouais, mais c'est peut-être un souci de stabilité de ma propre config. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. J'entends la machine qui ventile un peu plus. J'ai peut-être un problème de... Oh, un autre. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas servi. La pauvre machine est peut-être un peu saturée. Là, c'est chouette, en tout cas, les designs un peu biomécaniques, là. C'est joli, hein. Viens, par ici. Super design. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi plutôt que debout. Sois patient. J'ai eu un claque de son là. Comme ça au moins. Ça continue de jouer. Son super. Hein. Ouais, bah oui. Ah oui, d'accord. C'est l'heure que... Ok, il y a un truc qu'il ne supporte. Donc, là, vous avez une image figée. Et moi, j'ai continué. Le nouveau boîtier magique. Ouais. En plus, cinématique qui a l'air intéressante. Je vais essayer quand même. On va essayer de sauver. Après, chose, je vous le dis. Bah là c'est un boîtier tout neuf, donc Avermedia GC553 Live Gamer Ultra pour avoir le pass ou en haute résolution. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Voilà, donc c'est revenu là, mais il serait bien, il fallait que je débranche l'USB et que je le remette. Donc est-ce que c'est le mec, bon, le Mac qui a eu un hoquet de l'autre côté? Suis-moi. Donc voilà, ce que vous avez pas vu, c'est qu'il y a un jeune on a vu passer un jeune d'une tribu qui faisait le mariole à escalader et à faire le malin. Là, tu les vois? Ce sont des galopeurs. Ah, ouch! Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décampent si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas, on les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. C'est quoi là? Une pierre. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi? Fais ce que je te dis, Aloy, et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ça suffira. Suis-moi. Oh, on m'a pas dit qu'il y avait des problèmes d'inventaire, donc je ramasse. Et le sprint, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être bien une histoire de l'USB sur le Mac, je ne sais pas. C'est bien casse-pied en tout cas de pas pouvoir faire un live. C'est peut-être un cumul, hein. Que ça fait une perturbation sur la partie vidéo côté Windows. Aloy, par ici. J'arrive. Donc là, on a l'œil avec plein de symboles autour, là, parce que je suis Aloy, pas courant. Viens ici, voilà le troupeau. J'imagine que c'est l'espèce de... Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire, ou même les piéger. Comme ce veilleur, s'il reste là. Il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy.
On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Ah, c'est un problème sur les Avermedia. Bah, tu vois, je l'ai commandé l'autre jour en disant j'étais tout content d'avoir trouvé un modèle pass-through raisonnable. Aloy, lance une pierre vers moi. Lance une pierre pour attirer le veilleur sur moi. Oui, j'ai lancé une pierre. Parce que le gâteau, c'est le contraire. Moi, j'avais des problèmes. Alors. Voilà. Bien, il n'y a plus de danger. Fouille le cadavre, que je t'apprête à faire des flèches. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Ça, non ? Regardez, un petit peu. Ouais, ah ouais, c'est un jeu de Wii Yourself. Ouais, j'ai peut-être un peu choisi dans la précipitation, mais je pensais qu'à Avermedia c'était fiable. Et les éclats de métal, la pointe. Et le gâteau, j'ai eu plein d'emmerdes, mais parce qu'à l'époque je le faisais tourner sur Linux aussi. Quand je l'ai fait tourner sur le Mac aussi, c'était pas génial là, le boîtier. Puis je peux pas avoir de l'interne là. Maintenant une étape pour ouvrir la roue des armes. Utiliser Tab pour sélectionner. Ok. Ok. Maintenir pour construire. Bien. Okay. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Je vais récupérer les pièces pour faire des robots avec Steffi, t'arrives. Là. Reste accroupi dans l'herbe. Et pas un bruit. Il est temps d'abattre Nabu. Il est gros, dis-donc, celui-là. Oh putain, allez. Ah bah là. Carrément. Windows complet. Alors, je vais essayer de vous sauver les oreilles, désolé. Hop, audio mixeur. Hop, donc voilà. Normalement, vous n'entendez plus rien. Bon, bah c'est super, hein. C'est super, ça a été une tentative de live. J'ai enlevé ça parce que moi j'ai toujours le son. Visiblement, je vais retester là, le début du jeu sans le boîtier Avermedia là, pour voir si c'est lui qui met la grouille déjà sur la partie Windows, et puis on verra ce que ça donne. Bah super, j'en fais souvent des lives de jeu, tu vois, ça se passe bien. Ben voilà. Ben écoute, je vais regarder un peu effectivement les critiques là du boîtier Avermedia. Je vais faire mes tests en sachant que je l'ai reçu hier. Si ça va pas, il repart dès demain. Hein. Ça sera vite très réglé. Ouais, mais ça me casse les pieds ces histoires de putain de. Bref, je vais le refoutre dans le boîtier, ça va repartir direct. Puis voilà. Hein. Mais je vais quand même. Je vais tester quand même. Je vais refaire tout le début, exactement la même chose que là. Si j'arrive au même niveau sans avoir rencontré de soucis, c'est que c'est bien un problème du boîtier Avermedia. Hein. Alors, comme modèle, il s'agit du GC553 Live Gamer Ultra. Hop. Tu m'étonnes que je vais pas oublier la note et les commentaires. On va voir, hein, c'est peut-être pas ça, hein, c'est peut-être ma config Windows qui a un souci. Hein. Et pour en être sûr, bah, je vais débrancher le boîtier et puis je vais me mettre en direct. Bon, mais écoutez, on l'aura fait quand même dans des conditions épiques, ce petit live du week-end. Terminé bien.
des bisous chez vous. Et bah, Apple.